Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on fabrique un meuble pour ma scie à onglet. Bien, alors, pour la fabrication de ce meuble de ma scie à onglet, tout d'abord, si vous avez raté la vidéo de la présentation de cette scie à onglet, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et en fin de vidéo. Moi, comme d'habitude, ça sera un meuble qui sera sur ses roulettes. La particularité de ce meuble, c'est qu'en dessous, il y aura son propre aspirateur avec son démarrage automatique. Allez, on fait un croquis et on fabrique ça ensemble. Alors, pour la fabrication de ce meuble, moi, j'aime bien avoir la scie à onglet sur une hauteur de 900. Le bas de la scie. Je la pose sur établi, ça me va très très bien. Donc, moi, je sais que je vais fabriquer un meuble qui fait 600 par 600. Il y a les roulettes à déduire 130. Et moi, je sais qu'entre le sol et le haut du meuble, j'ai dit 900. Donc quelque chose de tout simple en structure, hein, ce sera tous des panneaux assemblés qui viendront ici, comme ceci en fait, réellement. Voilà. On retrouvera certainement une tablette. On aura l'aspirateur qui viendra se loger ici, un compartiment, et on retrouvera quelques tiroirs. Ici. Et pourquoi pas un grand tiroir ici. Voilà à peu près le croquis, voilà ce à quoi ça devrait ressembler. Et ensuite, vous verrez sur ces parties ici, il y aura des parties qui vont venir se rabattre. Ici, parce que j'aurai deux tablettes de chaque côté qui viendront se rabattre.
Oh, je me suis planté là. Oh, je me suis planté. Bien, bon, ça y est, on va s'arrêter là pour le moment, pour cette première partie de la vidéo. Donc vous avez vu, hein, un beau meuble ici sur roulette. Très facile, j'arrive, je le replie. Ici, je replie chaque côté du meuble. Ça prend très peu d'espace. Et comme vous pouvez le voir, une fois déplié, ici, vous avez vu, à l'aide des vis. Les petites caches ici que j'ai venu coller dessus, je peux régler la hauteur. Et comme ça, là, j'ai une superbe table, très très grande. Bon, vous avez vu, hein, je me suis planté, j'avais fait une petite pièce. Pourquoi? Parce que justement, j'avais mesuré, je savais que j'avais la hauteur et la vis. Mais replier, il faut faire attention. Ici, il y a encore une partie qui redescend. C'est pour ça qu'il me manquait 50 mm. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, enfin vous savez tout ce qui vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!